Alors, les dommages n'ont pas été très très conséquents. J'ai retrouvé toutes les pièces et il y a juste la base du stabilisateur de rotation, la tête de poule. Bon, le reste est intact. Voilà. Je l'ai démonté pour voir. Et apparemment, le moteur est soudé dessus, tout est soudé dessus et pas branché dessus. Donc je pense qu'il va falloir débrancher ce câble et découper au milieu de ce morceau de plastique pour le changer. Ou alors souder tous les câbles un par un, ce que je pense qu'il est quasiment impossible. Donc, je sais vraiment pas comment je vais faire. Je dois d'abord voir ce côté. Mais on va voir.